Bonjour, je suis Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter et chercheur à l'IRIS. Et je suis aujourd'hui en Pologne pour le Congrès européen du maïs. Et c'est l'occasion de rappeler que l'Union européenne est une grande puissance agricole, une grande puissance céréalière, parce que l'Europe est forte de ses 27 États membres. Et l'Europe a su développer des quantités de production agricole, de la qualité, en agriculture et en alimentation, avec beaucoup de diversité, de complémentarité entre les différents États membres. Cette force agricole européenne, aujourd'hui, est engagée pour compléter ce volet économique, ce volet alimentaire, par des engagements climatiques, environnementaux, parce que l'agriculture doit aussi nous permettre d'aller faire le pacte vert et une neutralité carbone. Mais nous devons aussi garder une dimension géopolitique, puisque le contexte international, avec plus de personnes sur la planète, plus d'ambition de beaucoup de pays à muscler leur approche stratégique par l'agriculture, rappelle à l'Europe qu'elle doit rester compacte, unie et avec une vision agricole qui soit capable de combiner la performance sociale, environnementale, économique avec une vision géopolitique. La guerre en Ukraine, d'ailleurs, ces derniers mois, invite l'Europe et ses États membres à rester solidaires, unis, malgré des épreuves, malgré de la diversité. Et nous avons assurément besoin d'avoir de l'agriculture, des agricultures et des systèmes agricoles européens qui se complètent et qui s'enrichissent mutuellement. L'Europe, par exemple, sur le maïs, ne fait que 5% de la production mondiale et pourrait demain produire davantage. La Pologne, d'ailleurs, ces dernières années, a enrichi la production européenne. Et nous avons un contexte en Ukraine, au Brésil, qui font que l'Europe sur le maïs ne doit surtout pas réduire sa production, essayer au contraire de la maintenir, voire de l'amplifier les prochaines années, tout en gérant la ressource en eau, qui est aussi un sujet majeur demain dans nos systèmes agricoles européens.